Nous venons ici selon les vœux du Fils de l'homme, vous narrer pour l'édification de cette humanité finissante, et pour que la vérité soit distillée par ceux qui ont vu et vécu ces événements, ayant eu le privilège depuis des éons de marcher dans les pas du Fils de l'homme, dans les pas d'Isis. Ces lignes sont rédigées par le scribe Christophorus lui-même, qui sera cité sous son patronyme de naissance, Philippe. Nous pouvons le dire aujourd'hui, c'est au château de Montségur que le destin de l'humanité s'est joué. Le Fils de l'homme fut trahi par deux femmes et deux hommes, ce qui permit à la bête, celui que vous appelez Satan et que je nomme ici le grand dragon, en référence à sa forme véritable et première, car fruit de ses choix les plus intimes. Le Fils de l'homme, Isis, Jean, Pierre et Philippe s'y sont rendus dans le secret, à l'aube, et après que les compagnons aient préparé énergétiquement le terrain, par le cristal et le rituel, par la conscience et le cœur, par la libération des énergies invisibles conscientes et leur bonne car libre circulation dans l'espace et le temps. Nous y avons trouvé le vortex ouvert lors de la trahison du Fils de l'homme. Des dimensions ayant ainsi pleinement accès à votre espace et votre temps, sans qu'aucune permission ne soit donnée à ces êtres divers, ces consciences involutives de ruches aux intérêts propres, mesquins, et dont les technologies avancées permettent une pénétration, une incursion, puis l'implantation définitive de ces races diverses et involutives sur la Terre de façon quasi invisible et inodore. Ces êtres que les archontes soutiennent et dépêchent dans l'univers pour coloniser et vampiriser tous les espaces et tous les temps, que la source crée et recrée sans cesse au profit de leur maître, le grand dragon, cette première approche nous a permis au Fils de l'homme et à Isis d'évaluer les dégâts, d'en comprendre le début, le déroulement, et ce qui ne peut être en conséquence naturelle et selon les lois et règles du Fils de l'homme, d'Isis et du mystère des mystères lui-même, la fin. Le combat avec le grand dragon que le Fils de l'homme avait depuis l'aube des temps la tâche d'incorporer en lui, afin de désamorcer tout en œuvrant pour trouver la meilleure méthode d'en débarrasser les êtres humains dans cette dimension spécifique et le reste de l'univers pour quelques éons au moins. Le grand dragon en tant que flamme est un immortel. Son corps, comme celui du Fils de l'homme, est fait de connaissance. Il est constitué du feu de la connaissance et à ce titre n'a aux yeux d'Isis, du Fils de l'homme et jusqu'à Dieu lui-même, plus aucune excuse ni circonstance atténuante, acceptable car probante. Entre cette première approche, sur le mont Sûr, et le combat qui perdure encore et encore, une longue, très longue semaine de combat s'est engagée entre le grand dragon Isis et le Fils de l'homme. Un combat à mort. Le combat de la dernière chance pour celui qui préfère que soit détruite la création tout entière plutôt que de sauver ses ouailles en s'amendant et en se sacrifiant lui-même pour ses adeptes. Mais le grand dragon est ce qu'il est, ce qu'il a choisi d'être. Le grand dragon préférera toujours tuer que de plier le genou, puisque contrairement à ses adeptes, à qui il promet l'immortalité sans avoir le pouvoir de la transmettre, lui, le grand dragon, est une flamme et demeure par le sang humain une flamme immortelle. Il sait que le Fils de l'homme ne peut que le bloquer ou le dispatcher en photon désincarné dans le vide de l'univers. Mais le Fils de l'homme sait que ce n'est qu'un répit, quant au prix d'efforts infinis qui lui prendra des milliers d'années, le grand dragon finira par se reconstituer la flamme qu'il est, par lui-même et pour lui seul.
Cette semaine-là, la mort rôdait autour de nous sans pouvoir s'approcher. Isis a subi des attaques indignes et le Fils de l'homme a combattu, compassionnel. Il a encore laissé un temps de rémission au grand dragon, une chance de rédemption pour lui et ses adeptes et leurs millions de victimes que le grand dragon. Une offre que le grand dragon a bien sûr très violemment refusée. Au prix d'efforts que nous qualifierons d'inhumains, Isis et le Fils de l'homme, accompagnés de Jean, de Pierre et de Philippe, en plus du témoin des hommes et des femmes dont je dois taire le prénom ici, sont remontés dans ce qui fut leur château hier, le château de Montségur. Le vortex naturel qui s'y trouve est puissant et voulu par Dieu. Isis et le Fils de l'homme n'y ont pas touché. Le Fils de l'homme a fait son travail. Il a décapité en partie le grand dragon et rendu les particules de cette première moitié au néant de l'univers. Le Fils de l'homme a ensuite fermé le vortex qui s'était dans tout l'univers créé le jour de sa trahison de 1244 au château du Montsûr. Puis, il a fermé toutes les dimensions parasites et esclavagistes, toutes ces consciences involutives de ruches qui ont contre toutes les lois et règles universelles établies par Dieu et connues de tous les univers, dans tous les temps, envahis, soumis, pillés, sacrifiés, violés, qui se sont tant énergétiquement que physiquement emparés et pris le contrôle total des êtres humains pour mieux les élever et s'en nourrir. L'humanité, depuis l'été 1244, est devenue la ferme d'élevage à grande échelle du grand dragon et pour son seul et unique bénéfice propre. Isis, elle, a recréé les connexions naturelles du vortex naturel afin que la vie inonde de son énergie votre mère la Terre et permettre aux humains encore présents sur la Terre de voir l'invisible. Quand c'est dans l'invisible que les ennemis de Dieu, d'Isis et du Fils de l'homme, ici comme dans tous les univers et tous les temps et toutes les dimensions, se dissimulent pour répandre leur méthodologie et technologie de mort, dont le néant sera la seule destination véritable pour le grand dragon et l'enfer éternel pour tous ses adeptes conscients ou inconscients, car Dieu, dans sa profonde et miséricordieuse sagesse, a conféré aux humains des pouvoirs inouïs que seule la foi, par le goût du juste, du beau et du vrai, ou par la magie noire, c'est-à-dire par le sang et le meurtre d'âmes innocentes sacrifiées, se révèle. Le sacré ne se sacrifie pas. Le sacré est. L'offrande n'est pas le sacrifice. L'offrande implique un choix personnel, fruit d'une réflexion profonde que seul le cœur connecté à lui-même peut inspirer à l'esprit et à l'œil qui voit. Que ceux et celles qui ont des oreilles se relient à leur cœur et voient. Au nom de Dieu, de l'épée et de la croix, et en hommage à l'infinie compassion du Fils de l'homme que seul l'amour d'Isis porte, maintient, soutient, nourrit, libère. Au nom de Dieu, de l'épée et de la croix. Le maître dit, après le travail effectué à Montségur, le ciel de votre mère la Terre est fermé. Nul ne peut sortir ou rentrer sans une autorisation expresse des sept gardiens. Le huitième et le neuvième gardien observent. Chacun et chacune devra faire face à lui-même. Le grand dragon lui-même se retrouve pour sa partie restante, prisonnier de la 3D. Montségur, le Montsûr est monté en neuvième dimension. Cela a des conséquences vibrationnelles, énergétiques et informationnelles pour tous les êtres évoluant sur la surface de votre mère, la Terre, dans le visible comme dans l'invisible. Les armées des anges soldats des forces de la lumière ont été dépêchées pour protéger ceux et celles dont le cœur est pur, et empêcher tout esprit malveillant d'agir, ne serait-ce qu'en pensée. Retour instantané à l'envoyeur, telle sera la règle sous le ciel d'Isis retrouvé. Les voyageurs temporels que sont les êtres humains
verront leur tentative de rejoindre l'astral très difficile, voire impossible. Le ciel est fermé, qu'aucune entité malveillante ne puisse s'échapper pour aller répandre son venin de mort dans d'autres univers et d'autres temps ou d'autres dimensions. Seuls certains guerriers de lumière auront la permission et l'ordre d'agir partout où ils le peuvent. C'est un temps de convalescence spirituelle que le Fils de l'homme, dans sa compassion unique, octroie à tous ses fils et ses filles. Le Fils de l'homme est la compassion incarnée. C'est ainsi que lui seul pense aux morts, aux victimes, aux milliards de victimes que le grand dragon, à travers ses adeptes, ont pu sacrifier au fil des siècles et au nom du grand Satan, qui a choisi comme généraux les archontes, ses fils par choix. C'est Isis qui œuvre maintenant, ramenant le souffle de la vie et son empathie naturelle dans le cœur et l'âme des derniers êtres humains évoluant sur cette planète, les 1%. Seuls les véritables êtres humains, débarrassés ou n'ayant accepté aucune entité en eux, en lui, en elle, et n'ayant ni crime de sang ni assassinat psychologique à inscrire à son compte, bénéficiera de la protection personnelle des anges soldats du Seigneur des armées, créateur incréé de tout ce qui est. Le sort des autres n'ayant été scellé que par eux-mêmes, n'intéresse à ce stade du jeu qu'est la fin des temps ou la résolution ultime plus qu'eux-mêmes. Le combat et le nettoyage de l'espace fermé qu'est le ciel d'Isis, d'avec les créatures et entités parasites, ces êtres interdimensionnels que vous appelez mauvais esprits ou démons, aura lieu pendant les 3 jours de stase. Il est conseillé aux êtres humains protégés de ne pas quitter leur demeure pendant ces 3 jours, ayant pris soin de se munir du strict nécessaire en eau et autres provisions de base, pour une semaine environ. Ce sera l'heure de l'équité pour les victimes des rituels et sacrifices du grand dragon. À la nuance que les souffrances vont commencer pour tous les adeptes du grand dragon à l'heure de l'équité, pour ne plus jamais s'arrêter. Ayez très crainte, humains, le feu, le fer et la glace sont sur vous. Que nul ne touche à un cheveu de tous les êtres de lumière qui prophétisent et agissent sincèrement dans le sens du rétablissement de la lumière dans le royaume du Fils de l'homme, dans le jardin d'Isis abondant et pacifique, tel qu'il a été rêvé par le mystère des mystères que vous appelez la source et qui est celui-celle qui n'a pas été créé et qui pourtant a créé toute chose. Celui-celle que vous appelez dans la seule unité spirituelle n'ayant jamais existé sur toute la surface de la terre, Dieu. Nous disons donc qu'au nom de Dieu, de l'épée et de la croix, au nom du mystère des mystères et de ses enfants, l'épée, l'oméga, et la croix, le féminin sacré, que nul ne saurait aller contre les lois cosmiques qui ont toujours existé, sans avoir jamais eu pourtant de début et sans avoir jamais en conséquence de fin, impunément, quelle que soit la dimension, le temps ou les consciences individuelles concernées agissent. Que cela soit vu, observé et compris par toutes les créatures du mystère des mystères, qui, quelles qu'elles soient, qui, quelle que soit leur forme ou intention personnelle prétendue, sont toutes ses enfants. Ainsi que le grand dragon lui-même. J'assure Isis de tout mon amour, aujourd'hui et à jamais. Je remercie mes fidèles guerriers qui, depuis l'aube de l'humanité et à chaque incarnation, ne naissent que pour me retrouver. Chacun est une émanation de moi et un don d'Isis aussi. Leur pouvoir spécifique et particulier dont chacun est pourvu est un reflet, une émanation de ma connaissance partagée. En ces temps de stase où je me suis réduit comme vous à ne pouvoir regagner l'astral pour y poursuivre mon œuvre d'avec Isis, ma flamme sœur, ils sont mes relais, mon prolongement, et je les bénis pour cela. Je les bénis de toute ma fraternité, comme je recouvre Isis de tout mon indéfectible et éternel amour. Tu es ma joie, mon eau, ma lumière et sa vie. Ma flamme qui se brûle sans jamais se consumer. Que chaque être humain et que chaque être doué dans cet univers d'une conscience individuelle prenne exemple sur votre mère à tous et toutes, l'éternelle fleur de vie, s'incarnant pour vous servir, Isis, le ventre divin de Dieu, sa fille aînée,
ma flamme sœur, moi-même. Le scribe reçoit, écrit et dit, au nom de Dieu, de l'épée et de la croix. La septième trompette a sonné. L'énergie noire se retourne contre son émetteur, tous ceux et toutes celles qui, durant 26 000 ans, s'en sont fait le relais. L'indifférence divine, selon les mots d'Isis, agit à cette heure en chacun des humains. Le regard sur son propre regard est froid, mais non distancié. Chacun est le juge impartial de lui-même. Telle est la première action d'Isis dans le nouveau monde, dont la fin des temps permettra d'en effacer les erreurs, d'en purger les horreurs et les crimes, et de libérer les milliards d'âmes emprisonnées, car aspirées par les adeptes du grand dragon, et seulement pour que leur maître se nourrisse. Les 3 jours de stase seront plus profonds aujourd'hui, seront plus profonds. Aujourd'hui, selon le calendrier des ennemis de la vie, en ce vendredi 19 octobre de l'an de grâce 2018 de notre Seigneur des armées, et jusqu'aux 3 jours de stase, Isis vous permet par son énergie de vous préparer à voir l'enfer que trop d'humains ont enduré au fil des siècles et de leurs jalons sanglants. Le Fils de l'homme se repose. Isis maintenant et ici agit. Soyez reconnaissants, vous, fils et filles de la lumière, quel que soit votre statut ou celui de votre cœur et de ses actions dans l'univers. Isis, votre mère à tous, va diffuser pour vous la seule lumière émanant directement de la source via sa fille aînée, reine éternelle de ce monde que vous avez si souvent défié. La septième trompette a sonné. Le processus naturel est enclenché. Telle est la manifestation du mystère des mystères, sa venue par le non-agir et l'établissement préalable des lois et règles constitutives de la lumière elle-même. La lumière est tour à tour information vibratile, onde, puis image. Que ceux et celles qui ont encore un cœur perçoivent et accueillent cette vibration, cette lumière et les informations nutritives que la lumière demeure éternellement. Au nom de Dieu, de l'épée, de l'oméga et de la croix, le féminin sacré. Au nom d'Usis et du Fils de l'homme, au nom du Seigneur des armées et de son scribe loyal, que ce qui est dit soit écrit, que ce qui est dit est écrit soit accompli. Au nom de Dieu, de l'épée, le Fils de l'homme et de la croix, Isis.